Enthousiasmé de manière claire. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'enthousiasme. En effet, tu sais, c'est important de s'enthousiasmer un peu comme quand on était enfant et que pour la première fois, on voyait peut-être la plage ou bien on voyait peut-être un cochon d'Inde, un hamster pour la toute première fois, qu'on allait dans un zoo ou bien tout simplement qu'on voyait un palmier si on allait en vacances et qu'on n'avait pas l'habitude de voir des palmiers chez soi. Eh bien voilà, c'est important finalement, même quand on est adulte, de s'enthousiasmer pour les petites choses. Pour les petites choses dont tu as peut-être l'habitude de voir, mais pourtant, il y a toujours des merveilles, je ne trouve même plus mes mots, tu vois, mais des choses qui nous excite. Par exemple, dernièrement, j'ai été dans un zoo, et bien voilà, j'ai parlé de zoo, et j'ai vu un kangourou. Même si je suis très habitué à voir des kangourous, je suis très habitué à voir des wallabies, et bien ça m'a émerveillé. Parce que même si quand tu habites, ou bien quand tu es même peut-être né au pays des kangourous, et bien tu peux toujours être émerveillé par ces animaux-là. Ça peut être pareil pour les plantes, pour les bananiers ou bien pour les pommiers. Tu te dis, waouh, il y a des pommes là qui poussent toutes seules. C'est incroyable. Eh bien, je vais prendre une pomme et je vais la croquer. Et voilà, tu vois, c'est pareil. Finalement, tu as toujours des choses dont tu peux être assez content. Tu te dis, waouh, la nature, elle est quand même belle. La vie où j'habite, j'ai de l'électricité, j'ai de l'eau chaude d'ailleurs, j'ai pas mal de choses où j'habite, et bien c'est vraiment chouette. J'ai internet, je peux contacter ma famille très facilement, même si j'habite par exemple dans un autre état, et bien, allô, oui, comment ça va? Tu vois, c'est très simple. Je peux par exemple avoir un business sur mon ordinateur, par exemple, sans aucun problème. C'est très simple. Et finalement, tout est finalement très simple. Et c'est ça aussi une raison en plus de s'enthousiasmer. C'est qu'on vit dans un monde finalement qui n'est pas trop compliqué. On pourrait justement croire le contraire, mais en réalité, tout dépend de ton interprétation et de la manière dont tu vois les choses. En effet, on voit tous la vie de manière différente. Et finalement, c'est à nous, c'est à notre responsabilité à bien voir la vie de la manière dont nous on veut voir cette vie. C'est notre responsabilité d'avoir du fun, mais aussi de peut-être dire des blagues et d'apprécier plutôt de manger un peu comme quand on mangerait un gâteau à la crème fraîche, et bien de manger la vie à pleines dents. Moi, je te souhaite tout le meilleur parce que tu sais, la vie est tellement courte et la vie, eh bien, elle est tellement merveilleuse et tu mérites vraiment d'en profiter à fond. Donc, si tu n'es pas heureux dans la vie où tu habites actuellement, où tu es actuellement, tu peux toujours déménager, tu peux toujours changer d'endroit, aller ailleurs, mais passe à l'action, choisis ce que tu veux dès maintenant. N'attends pas le bon moment n'arrivera jamais. Tu sais, il y a ce fameux dicton chinois que j'adore. Et d'ailleurs, j'en parlais récemment à une amie chinoise qui me disait qu'elle l'adore aussi. Même si tu es chinois, même si tu es non chinois, ou peu importe, finalement, peu importe ce dicton d'où il vient, mais je trouve que c'est un dicton assez philosophique et magnifique. Ce dicton dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Parce qu'en effet, si tu l'avais planté il y a 20 ans, eh bien maintenant il serait gigantesque avec un magnifique tronc à nouveau. Une raison de plus de s'enthousiasmer. Waouh, l'arbre! Eh bien, si tu le plantes maintenant, dans 20 ans, il va à nouveau être incroyablement beau, fantastique, génial. Et c'est pour cela que c'est important, toi, de passer à l'action maintenant. Et ainsi, dans 20 ans, tu vas te dire, waouh, ma vie, elle est fabuleuse. C'est exactement la vie que je voulais. Ma vie designée sur mesure. Et d'ailleurs, en parlant de belle vie, tu sais quoi? Je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie. Et cet atelier se trouve sur mon site pierrewriter.com. C'est pierrewriter.com. Et là-dessus, tu verras un lien qui s'appelle Mes méthodologies et tu pourras
acquérir cet atelier Belleville. Moi, je te souhaite tout le meilleur, encore une fois, tout le meilleur du fond du cœur. Profite de ta vie, enthousiasme-toi de toutes les petites merveilles, les petites choses incroyables. Maintenant, je vais prendre la voiture, je vais aller à la plage, eh bien, d'Adinga, pas très loin d'Adélaïde, en Australie méridionale, et je vais m'émerveiller pour les poissons qui sautent dans l'eau. Allez, à tout de suite dans l'atelier Belleville. Moi, je te souhaite une excellente vie. Je suis désolé de mon pouce là qui fait des choses un peu bizarres. Allez, à très bientôt et à tout de suite dans l'atelier. Ciao!